Alors, je m'appelle Robin Levé, je suis vitrolé depuis toujours, donc j'ai 29 ans. J'ai une activité audiovisuelle, je fais de la réalisation, du montage, et je fais aussi beaucoup de photos. Les gens de Vitrolles ont bien aimé les clips que je faisais, mon court-métrage, tout ça qui est toujours en cours. Et aussi, j'ai pris des photos des incendies qui ont ravagé le plateau et du coup, je les affiche ce soir. Et c'est des photos qui ont beaucoup tourné, donc les gens pourront les voir en vrai, donc c'est cool. Alors moi, je voulais toujours raconter des histoires et m'exprimer, donc j'ai fait de la peinture, j'ai écrit, j'ai fait de la musique. Au final, je me suis aperçu que le mieux pour faire tout ça, c'est le cinéma, c'est l'image. Du coup, j'ai fait une école de cinéma, après m'être rendu compte que le cinéma était le meilleur médium, quoi. Pouvoir créer des mondes imaginaires et travailler avec des bonnes personnes, faire des belles rencontres et faire des beaux projets, c'est toujours intéressant. Je fais vraiment un métier qui me plaît, quoi. Vraiment, vraiment. Ben, c'est sympa, un peu de reconnaissance. C'est vrai que ça montre qu'on ne se bat pas dans le vide et que les gens apprécient ce qu'on fait. Du coup, c'est plaisant, quoi. Vraiment, c'est cool. Alors déjà, je vais finir mon premier court-métrage. Ça fait 4 ans qu'il est en cours parce qu'on fait une séquence en dessin animé, c'est super long. Là, dans l'immédiat, j'ai un concert que j'ai filmé hier soir, un concert de punk, il faut que je monte. Voilà, ça c'est... Et après, moi, j'aimerais faire d'autres courts-métrages, mais financer cette fois-ci et passer au long-métrage, tout en continuant à faire des clips, en faisant des expos photos. J'ai une expo d'ailleurs prévue en avril à Gardanne. Oui, surtout que maintenant, les caméras, les appareils photos, c'est plus accessible. Puis on peut même faire des films avec des téléphones portables. Donc la création, il faut juste avoir envie de se bouger le cul, quoi. Et après, ça fonctionne. Désolé pour le gros mot. Donc oui, il suffit juste de se motiver, quoi.